J'ai appris de nombreuses choses. Les listes seraient longues, mais pour commencer, déjà analyser des documents, approfondir plus mes connaissances. Donc, en plus de ma matière DCES, donc on analyse beaucoup de documents dans le cadre du bac. Donc là encore plus. La logique économique. Donc regarder comment les intentions d'une population, ce qui pousse à faire certains choix dans certaines situations. Mes compétences en mathématiques surtout, parce que c'est assez présent, c'est une compétition européenne statistique. Donc notamment avec du coup des méthodes d'études qui sont différentes, forcément on ne les a pas tous vues, donc ça permet donc de connaître plusieurs choses, donc vraiment approfondir plusieurs choses. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est super important justement pour savoir à quoi faire face déjà dans les études supérieures. Je pense que ça a été un peu un avant-goût, enfin pour ma part, surtout en ce qui concerne les documents qui ont été difficiles, enfin certains documents qui ont été assez difficiles à analyser, surtout qu'il y avait une très grande quantité de données à analyser. Donc je pense que ça peut être que enrichissant et donc moi j'ai, voilà. Ce que j'ai préféré, c'était la vidéo, puisque on avait un peu le choix de faire ce qu'on voulait, d'exprimer notre créativité. Et puis, surtout que nous, on a fait le choix de réaliser une animation. Donc, on a mis en scène des personnages. Et puis, on a un peu fait ce qu'on voulait. Et puis, aussi, on a évoqué des thématiques qui nous intéressaient. Et j'ai appris des notions de mathématiques, j'en ai revu certaines et j'en ai appris d'autres pour la première étape. Lors de la deuxième étape, j'ai appris notamment les tableaux croisés dynamiques. J'ai appris aussi le travail en équipe qui était plutôt difficile, mais on a vraiment bien réussi à s'entendre et à se partager le travail. Donc c'était vraiment enrichissant. Et enfin, la vidéo qui était encore en équipe, mais j'ai aussi appris d'autres notions de montage et autres. Pour mêler en plus de ça la langue, l'anglais. Donc c'était vraiment intéressant. L'exercice que j'ai préféré, c'était partir d'un tableau et trouver les grands enseignements. Le fait d'exploiter, de chercher les données les plus intéressantes et d'en découvrir toujours plus au final.